Bonjour tout le monde, on est à Metz. Derrière moi, la célèbre cathédrale de Saint-Étienne de Metz, avec ses magnifiques vitraux qu'on va visiter. On va faire un petit tour à l'intérieur. Et voilà, on va rentrer aussi dans le musée de Metz. C'est un musée qui a une très très belle collection, qui couvre une histoire très très vaste. Je vais prendre quelques images des objets qui ont plus attiré mon attention, mais il y a beaucoup de belles pièces.
Alors, ce qu'on voit là, ce sont des panneaux en bois peints qui faisaient partie d'un plafond avec tout un bestiaire incroyable. Comme ils étaient peints probablement avec une peinture à la colle, et les lumières sont très basses, donc on fait ce qu'on peut pour éclairer. Hein. Alors là, on voit bien que l'œil est un petit coup de lumière en blanc qui est en relief, sauf qu'il est un peu sale, un peu de vernis sale dedans, ce qui fait une tache pas très jolie, il faudrait le nettoyer. Bon, là, il y a un peintre que je n'avais jamais vu en vrai, c'était un couple d'artistes en réalité, probablement, s'appelait Monsu Desiderio. Voilà, là vous avez. Ça, c'est l'œuvre de Monsu Desiderio, c'est des ruines anciennes qui tombent en fait, c'est un écroulement des ruines. Ils ont plusieurs œuvres de Monsu Desiderio. Celle-là aussi, il était spécialisé dans les ruines un peu fantomatiques, comme ça, comme des villes fantômes. Quelques images de Metz, du centre-ville. Et voilà, et là on est au centre de Metz. Thank you.
Étage 0.